Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette quatrième et avant-dernière ouverture de cette méga ouverture. Donc on avait 100 boosters, il nous en reste 40. Donc comme chaque vidéo, on va ouvrir 10 Clash des Rebelles et 10 Ténèbres Embrasées. Donc on va attaquer direct. Donc on a eu des trucs vraiment vraiment sympathiques. Ça a commencé doucement sur la première ouverture et ensuite on a eu des trucs vraiment sympas. Dans la deuxième, elle était ouf. La troisième, elle était correcte. Donc des belles ouvertures. Allez, donc là toujours, on vous rappelle, donc c'était des paquets de 2 boosters avec un clash, un ténèbre embrasé. Et il y avait du scotch. Ils étaient tous scotchés. Donc ils sont des fois un peu chiants à ouvrir vu qu'il me reste du scotch dessus. On va les sortir comme ça. Allez, bon, c'est le premier. On espère qu'après ça va aller plus simplement. Allez, et on attaque direct. Allez, c'est parti. Alors, un sécateur, Tarinor, Goélise, Smogo, Arkéomir, Energy, Percy, Stade de Greenbury, Lombre, Total Soin, et tout de suite, Melobelus V. Une très belle carte. On l'a déjà, mais c'est une très belle carte. Donc, ça commence très très fort. Direct, une ultra. Assez. C'est super sympa. J'adore. Ça annonce direct la couleur. On y va. On continue. Allez. Aragdo. Magikarp. Meditica. Cremie. Caninos. Énergie métal. Chrysapil. Chrysacier. Bandana brûlant, Opermine en reverse et Gorythmic V en ultra. Donc pareil, on l'a déjà. Bon, ça c'est pas trop de la chance hein, parce que deux ultras, elles sont très très belles. Elles sont très très belles, mais on les a déjà. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Deux ultras en deux paquets, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Allez. On continue. Alors, Monorpal, Funessir, Corayon de Galar, Opermine, un sécateur, Énergie Feu, Dimoclès, Scarino, Grand Saut, Pop Illusion. En reverse, sympa, elle est très belle cette carte. Et Léviator, qu'on n'avait pas encore, Léviator Holo. Trop belle. Trop belle, vraiment une très belle carte. Et qui envoie du steak aussi, c'est sympa. Une bonne carte, une très bonne carte. Sympathique. Allez, on continue. Donc si jamais vous n'avez pas vu les premières ouvertures de cette méga ouverture, eh ben n'hésitez pas à aller les voir. Franchement, c'était vraiment des très belles ouvertures. Et même toutes les autres ouvertures, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de gold sur toutes les vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Allez, Tarinor, Goélise, Smogo, Arkéomir, Toxizap, Énergie Foudre, Vagomine, Aflama Noir. Les illustrations sont ouf. Toujours, toujours. Toutes les cartes sont vraiment très belle. Xatu, Sort Silence en reverse. Très belle carte. Et Monsieur Claquette de Galar. Il est marrant. Le petit Claquette de Galar. Donc évolution de Monsieur Mime de Galar. Sympathique. Donc ouais, je disais que si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, n'hésitez pas à les voir. Allez les voir. Ça me ferait très plaisir. Donc je démarre, ça fait quelques mois qu'on a démarré et puis on a eu beaucoup de chance sur les ouvertures, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Alors, Tutafet Galar, Verpom, Bibichu, Embrochet, Miaus de Galar, Énergie Combat, Pépite, Mouflair, Morpeko, super illustration, j'adore, Smogo en reverse et Rongrigou, le fameux Rongrigou, on a déjà beaucoup. On a déjà d'ailleurs clôturé beaucoup d'ouvertures sur le Rongrigou. Allez, on continue. Allez, Aragdo,
Nounourson, Smogo, Grimala, Lixi, Energy Foon, Colombo, Sonia, Bekipan, Voturis en reverse et Salarsen en rare. Sympathique, des belles cartes. Donc on traîne pas trop, il y a quand même 20 paquets à ouvrir, histoire que la vidéo soit pas trop longue. Donc si vous avez vu la vidéo, la deuxième partie, on a un record à battre, c'est de 7 ultra, il me semble, dont une gold, une ultra, enfin une full art, tout plein de choses. Allez, Smogo, Lixi, tu t'as fait de galard, Verpom, Bibichu, Énergie électrique, Pijaco, Chrysapil, Mouflair, Cisaiox en reverse, sympathique, et Golgopath en rare. Des belles cartes. Nous, on veut maintenant, allez, on veut que ça saigne. On veut du sang, on veut les golds, on veut les secrets. Allez, toujours plus. Ouais, ce paquet. Il veut pas s'ouvrir. Alors, est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est pas bon signe? Allez, on va dire que c'est bon signe. Il va y avoir un truc de ouf. On va ouvrir comme ça. Hop là. On a vu le petit Blizzy pour démarrer. Allez, le petit Blizzy. Natu. Poichillon. Miamiasme. Galvaran. Énergie ténèbres. Mine de Galar. Archéodong. Chrysacier. Magmar en reverse. Et Ludicolo en rare. Cette illustration, j'adore vraiment. Elle est vraiment très très belle. Toute la carte en vert et il est en train de danser là le Ludicolo. Bon du coup c'était mauvais signe. Qui s'ouvre pas, c'est mauvais signe. Allez donc forcément qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on n'arrive pas à l'ouvrir le suivant. Est-ce que cette fois c'est bon signe ou pas? On sait pas. Allez, un peu le bordel. Allez, on continue avec Blizzy, Poichijon, Darumaron de Galar, Bibichu, un sécateur, énergie psy, épuisette de rappel, Pijaco, Chrysapil, Smogo en reverse, on vient de l'avoir, et Montracite en holo. Allez, déjà le dernier paquet. Bon, on a eu un très très bon début, ensuite c'était un peu plus calme. Bon, déjà deux ultras sur 9, c'est déjà pas mal. Allez, on espère le 3 sur 10, ça serait vraiment sympa. Allez, on y va. On continue. Avec Voltorb, Bacabou, Goupix, Smogo, on a beaucoup vu Smogo, hein, Lixi, Energy O, Scarino, Electrode, Chelours, Trépassable, Reverse, sympa, et Rongrigou. Bon, bah, c'est fini pour les paquets de Clash des Rebelles pour cette quatrième partie. On enchaîne sur Ténèbres Embrasées, donc on pousse un peu tout, et puis bah, on y va direct. Donc là, on a eu deux ultras sur 10. C'est correct. C'est rien de ouf, mais c'est correct. Allez, Watt, Snubbull, Minisange, Tauros, Monsieur Mime de Galar, Énergie Combat, Kabu, Feuilloutan, Sorboule, Deden, un reverse, sympathique, et Trioxydre en rare. Trioxydre aussi qu'on a déjà eu quelques fois là dans les packs additionnels des coffrets avant-première. Donc on l'a eu quelques fois. Allez. Froussardine, Charibari, Soloshi. Très très belle illustration, je le répéterai à chaque fois. Flamajou, Watt, Énergie électrique, Fortifiant Turbo et Flèche. Et Tourvol, Roublenard en reverse et Dracaufeu VMAX Full Art. Allez, comment elle est belle. Oh là là, comment elle est trop belle. Direct, premier paquet, Ténèbres Embrasées. On a le Dracaufeu Full Art, donc qui est d'ailleurs aussi en illustration. Oh là là, Dracaufeu VMAX Full Art. Ah, c'est le feu. C'est le feu. Elle est trop belle. Oh là 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 là. Ça envoie du steak. Allez, on enchaîne. Oh là, je suis content.
On n'a même pas encore eu Dracoff EV et on a direct le VMAX. Ah, je suis content. Elle est vraiment trop belle. Allez, on continue sur la lancée. Allez, Sapro, Sort Bébé, Scrutella, Goupilou, Escargot, Énergie Ténèbres, Chérose, Sorboule, Poltergeist, Teddy Ursa en reverse et Galvagon en rare. Allez, on enchaîne. Ah là, je suis boosté là. Ce Dracaufeu, il fait du bien au moral. Ah, c'est le feu. Allez, Ambrilex, Gringolem, Barpo, Chakrifan, Hippopotas, Énergie Métal, Ombrelle Géante, Lampignon, vraiment sympa l'illustration, j'adore, Chérose en reverse, et Darkrai en holo. En holo. On l'a eu déjà quelques fois maintenant, mais elle est sympa. Je pense qu'elle a peut-être un petit potentiel de jeu. Allez, on continue. Allez, on espère des dingueries, des trucs de ouf. Allez, Fouinette, Brindibou, Rongourmand, Mimigal, Pyrony, Énergie Plante, Deden, Ornithologue, Solarock, Tic, en reverse, une très belle illustration, et Mimiki, en rare, sympa. Le passif de la carte est assez fort. Tous les ennemis qui sont sur le banc ne peuvent pas se soigner, même tous les ennemis tout court, juste du banc, ne peuvent pas se soigner. Donc c'est assez fort, c'est intéressant. À voir dans quel compo. Allez, Snubbull, Meltan, Sapro, Paras, Ambrilex, Energipsy et Tourvol. Voilà, j'en avais deux. Diamat, Infect, Darumacho de Galar en reverse et Excavaren. Je crois qu'on n'a pas eu beaucoup Excavaren dans cette collection. Donc je crois même qu'on ne l'avait pas. Donc c'est pas mal. Une belle illustration. Allez, il nous reste 4 paquets. Allez, on veut encore. Allez, au moins une très belle carte. Ça serait vraiment sympa. Une très belle carte sur 4 paquets. C'est pas cher demandé. Allez, on a Gringolem, Skitty, Soloshi, Rondoudou, Insolourdo, Énergie Foudre, Vibranymph, Bleuzeil, Chérose, Insolourdo en reverse et Faramp. Faramp que je crois qu'on n'avait pas encore. Faramp qui bronze, la girafe électrique qui bronze, enfin qui fait la sieste sous un arbre, tranquillou, pilou. Une belle carte. Allez, nous on veut une gold là. Je vous le cache pas que je veux là tout de suite une gold. Ça me ferait super plaisir. Ou alors le petit Dracaufeu EV, histoire d'avoir la continuité. Allez, Polarume, Brindibou, Rondoudou, Topiqueur avec la statue de Topiqueur derrière. Flotajou, on l'avait pas encore. Donc ça paraît bête comme ça, on a déjà ouvert beaucoup de paquets, mais Flotajou, on l'avait pas encore. On avait Flotoutan 10 fois déjà, mais Flotajou, on l'avait pas encore. Allez, super cool. Allez, Énergie Électrique, Pédastéry, Clic, Feuilloutan et... Ah non, mais je suis bête. Sort Bébé en reverse et... Mimiki. Bon, allez. Même pas de commentaires. On l'a déjà vu, le petit Mimiki, il nous reste 2 paquets. On commence à être envahi par les emballages. Allez, plus que 2 paquets. Darumaron de Galar, Ambrilex, Goupilou, Croquine, Snubbull, Énergie Combat, Gant d'épreuve, Clic et Flèche. Gros Doudou en reverse. On l'avait même pas encore en normal, il me semble. Et là, on l'a en reverse. Sympathique et les bégons en rare. Une très belle carte, mais c'est pas tout à fait ce qu'on attend. Bon, un peu mitigé. Vraiment content d'avoir chopé le Dracaufeu VMAX, mais allez, on en veut encore. On en veut encore. On verra
Est-ce que on a quelque chose ce paquet? Allez, Soloshi, Rondoudou, un seul Rondou, Tic, Vorastérix, Énergie Combat, Vibranymph, Bleuzeil, Chérose, Lacmessigne, en reverse, le fameux Lacmessigne, et Galvagon en rare. Bon, une ouverture mitigée. On a eu sur Clash des Rebelles, on a eu le beau Milobelus V et le Gorythmic V. Donc deux cartes qu'on a déjà, qu'on avait d'ailleurs, il me semble même eu dans la même ouverture. Et par contre, ça c'est ouf, le Dracaufeu VMAX Full Art. Ça, je suis vraiment content. Une très très belle carte. Allez, je vous laisse sur cette belle carte. N'hésitez pas à aller voir, surtout l'ouverture, la partie 2. Elle était ouf, 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 ouf. Allez voir ça. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Activez la cloche, abonnez-vous. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc, je fais ça pour le fun, mais j'aimerais bien quand même un minimum d'abonnés pour que ça permette de faire voir un peu tout ça à plein de gens, parce que j'aimerais partager ça avec plein de monde. Ça me tient vraiment à cœur. Allez, je vous laisse là-dessus. À très bientôt pour la dernière partie de cette méga ouverture. C'était Alderboom. À plus. Ciao.